je me dis, je peux parler ou aller pour le direct. Et tu sais, bonne journée à vous. Alors, la cathédrale, elle a 855 ans. C'est une vieille dame. Et c'est vrai que la cathédrale a toujours célébré Noël. Est-ce qu'au moment de la guerre de 14, je pense qu'à un moment, la cathédrale a été fermée. Pendant la Révolution, il y a eu... pendant un ou deux ans, c'était, comment dirais-je, elle était quasi désacralisée. Et donc là, il n'y a pas eu, effectivement, de messe de la nuit ou de minuit. Hein. Mais après la Révolution, eh bien, la cathédrale a toujours connu une messe, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Le lien que nous avons avec la cathédrale Notre-Dame, c'est celle qu'on appelle la Vierge aux piliers, que vous voyez ici. Cette Vierge est du XIVe siècle et j'allais dire c'est une Vierge miraculée. Pourquoi ? Parce que la voûte de la cathédrale, au moment de l'incendie, s'est complètement écrasée. Il y a les pierres partout, mais elle a été épargnée, elle aurait pu recevoir naturellement la voûte sur sa tête et être complètement écrasée. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Donc pour moi, c'était vraiment la Vierge miraculée. Mais je pourrais dire aussi que c'est une Vierge miraculeuse, dans le sens où elle habitait beaucoup la cathédrale Notre-Dame, elle regardait tous les pèlerins, tous les visiteurs, 35 000 par jour. Que j'étais entouré du président Macron, de l'archevêque de Paris. On était là, main dans la main, en regardant la cathédrale et en se disant, voilà, qu'est-ce qui va se passer? On va voir disparaître. Et puis, peut-être au moment à minuit, quand je suis entré dans la cathédrale, le général des pompiers nous avait donné l'autorisation et j'étais avec le président et madame Macron. Et j'entends le président me dire, mais la croix illuminée, elle est là. Voilà. Et je lui dis, et regardez la Vierge, elle est là. Oui, on a beaucoup parlé de l'exil pour la maîtrise. Je préférais plutôt parler de hors les murs parce qu'il y a plus d'espoir dans ce terme et il y a beaucoup plus de positivité. L'exil ramène
beaucoup sur la tristesse. Évidemment, il y a beaucoup de tristesse, de désolation pour nous de ne plus être dans notre seconde maison. Mais il y a aussi énormément d'espoir, car ce n'est qu'un passage. La cathédrale est malade. Elle va être malade pendant 5 ans, 6 ans. C'est rien du tout sur 850 ans. À l'échelle humaine, ça paraît très long. Mais pour l'échelle de la cathédrale, 5 ans sur 850 ans... To think that I was ill last Christmas and I missed Christmas in Notre Dame, thinking that I would go again this year with no problem. And yeah, no, it's yeah, I can't believe I'm not going to do Christmas. It was such a nice time with the children as well, because it's rare for the choir to be all together with the children and the youngsters and us. So yeah, I'm missing that already.